chansons sont magnifiques. Mais mes textes sont parfois trop satiriques. On dit que j'aurais plus de fanatiques si j'écrivais des chansons romantiques. Moi je ne fais nul cas de ces critiques. Ou du moins je les trouve assez comiques. Alors moi je demande à vous qui m'écoutez et qui partagez mes idées. S'il faut que mes chansons fassent le tour de la terre, voici ce que vous devez faire. À l'école ou à l'église, chantez-les. Dans les bars ou sur la plage, chantez-les. Dans les universités, chantez-les. Ça pourra bien changer le monde. Aujourd'hui, certaines personnes m'accusent de faire la politique avec ruse. D'autres disent que je vais à l'église dans le but de mieux remplir ma valise. Je ne comprends du tout ce que ces gens disent. Ça, il ne faut qu'afficher des sottises. S'il s'agissait d'argent, j'ai assez de talent. J'en gagnerais n'importe comment. Mais mon plus grand défaut, c'est que je crois en Dieu. Et je veux que tout le monde soit heureux. À l'école ou à l'église, chantez-les. Dans les bars ou sur la plage, chantez-les. Dans les universités, chantez-les. Ça pourrait bien changer le monde. Dans mes œuvres artistiques, je fais trop de place à la politique. On dit que mes chansons sont instructives, mais certaines d'entre elles sont trop subversives. Je sais que ces critiques sont du nombre de ceux qui aimeraient me voir chanter en faveur des loups. Alors moi je dis non, je veux que mes chansons s'adressent surtout à ceux qui souffrent. Je ne trahirai jamais les causes populaires que je défends dans mes chansons. À l'école ou à l'église, chantez-les. Dans les bars ou sur la plage, chantez-les. Dans les universités, chantez-les. Ça pourrait bien changer le monde.